La Ligue nationale de football a effectivement lancé son championnat ce mercredi 23 août. En dépit des interférences du ministère du Sport, le coup d'envoi a été donné avec trois matchs dans trois villes du pays, Bukavu, Kolwezi et Kinshasa. Dans le groupe B, au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu, Étoile du Kivu a perdu à domicile devant Céleste FC de Mbandaka. Au stade Dominique Dior à Kolwezi, pour le compte du groupe A, la formation locale de l'AS Simba a courbé les chines devant le tout-puissant Mazembe par une note d'un but à zéro. C'était un but de Philippe Traoré à la 50e minute. Le centre et la tête et le but, l'ouverture de score de Philippe Traoré. Un superbe centre des... À Kinshasa, au centre technique Baudouin Kouarampova, le tout nouveau venu de ce championnat, les Aigles du Congo sont tombés devant l'AS Maniema Union par un score d'un but à zéro. But inscrit à la 47e minute de jeu par Kapela Ndungwisi. Attention, la frappe de Chibanda, incroyable ce but! Incroyable! Uge Chibanda, l'ancien des Célestes! Qui ouvre la barre dans ce premier match du groupe B. Il est très bon, Ilunga Chibanda, regardez. Malgré la lettre du secrétaire général au sport adressée au chef de division de sport interdisant l'organisation des activités dans les stades du pays, la course au titre de champion national de la Linafoot est lancée pour sa 29e édition. Quelle justesse et surtout.